In 1688, French King Louis XIV wrote to Emperor Kangxi of the Qing Dynasty, calling him his very dear friend and proposing to send scholars to China, marking the start of a historic friendship commemorated on a pocket watch with a lung and fleur-de-lis. Ce qu'il y a de singulier dans la relation franco-chinoise, c'est que c'est d'abord et avant tout une relation culturelle. Nous sommes deux très vieilles civilisations. Et ces vieilles civilisations méritent, partout dans le monde, le respect. Over 2,000 years ago, the Silk Road linked China and France. Chinese silk, tea, and porcelain made their way to Europe, while European glass, wine, and clocks traveled to China, sparking a rich trade and cultural exchange. By the 18th century, France was swept up in a China craze. Chinese philosophy, artworks, interior designs, architecture, and fashion style garnered immense popularity among both the nobility and the common people. This year marks the 60th anniversary of China-France diplomatic relations, celebrating remarkable cultural achievements. L'amitié a un sens très profond. L'amitié est quelque chose qui demande du temps, qui se travaille, qui se construit. Et c'est quelque chose qu'il nous faut protéger. Vous savez, vous Chinois, nous savons, nous Français, que l'amitié est une valeur importante. C'est un petit trésor qu'il faut protéger.